Salutations, c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce 16e épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2, série de vidéos où je vous présente les jeux que j'ai dans ma ludothèque. Ils sont simplement classés par ordre alphabétique et je vous les présente 5 par 5. C'est donc pas du tout un top, mais je me permets quand même un petit peu de donner mon avis. Voilà, et si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un jeu que j'ai cité, n'hésitez pas à me le demander. Alors j'ai quand même décidé d'éviter de perdre trop de temps, à chaque fois je fais des vidéos qui avoisinent l'heure et c'était pas l'objectif de départ, donc je vais essayer de faire plus concis que d'habitude. Je vais essayer, hein, parce que le problème c'est que j'aime bien parler des jeux. Alors on commence tout de suite avec The Loop, encore un coup du Docteur Fou, de chez Catch Up Game. C'est du 1 à 4 joueurs pour du 12 ans et plus, et c'est des parties d'à peu près 60 minutes. C'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Simon Caruso. Alors dans The Loop, on va incarner des agents du temps qui vont devoir renvoyer les clones du Docteur Fou à chaque fois à leur époque respective de façon à les détruire. Mais ça, c'est vraiment pour nous faire tenir le coup. Parce que le but de la partie, ça va être de terminer différentes missions. Alors je vais déjà vous montrer l'arrière de la boîte. Voilà. On a un plateau qui va être assez grand. Je ne sais pas si je vais le montrer, on verra bien. Ça prend quand même de la place sur la table, hein, parce qu'on va avoir ce plateau-là, autour duquel il y aura des tuiles, donc les fameuses tuiles de mission qu'on va devoir accomplir. Il va falloir qu'on termine 4 de ces missions pour remplir la partie, tout en évitant de se choper trop de failles. Parce que si on prend trop de failles, donc les petits cubes rouges, on va avoir notre époque qui se transforme en vortex. Donc déjà, si on avait une mission dessus non terminée, elle dégage et elle est remplacée par un vortex. Déjà, c'est pas bien. Si ce vortex-là doit à nouveau être remplacé par un vortex, on a perdu. Si on doit placer un quatrième vortex quelque part, donc si on a un vortex ici, un là, et qu'on doit s'en prendre un ici, on a perdu. La seule façon de gagner, c'est de terminer nos 4 missions. Voilà, c'est un jeu donc full coopératif, où on va déplacer nos agents avec nos cartes. On a une composante quand même deck building, parce qu'à la fin du tour, si on s'arrête à une époque où il y a des cartes disponibles, on va pouvoir prendre une carte et la rajouter à notre paquet de cartes. On a du matériel qui est plutôt sympathique, plutôt joli. Je dois dire que j'aime bien le graphisme, ça ne me dérange pas. Et si vous avez apprécié la série Loki sur Disney+, eh bien on est dans un truc qui est dans le même... Je trouve que c'est la même ambiance. En plus, c'est le même scénar. Donc on est les agents d'une agence style la TVA. Moi, j'ai plastifié tous mes trucs, donc voilà, ça fait du bruit, c'est marrant. Et je trouve ça... Je trouve ça chouette à manipuler. Donc ça nous dit où est-ce que je dois placer le clone. Donc là, c'est l'époque industrielle. Et où est-ce que je vais devoir le renvoyer pour le détruire. Voilà, donc c'est très bien fait, c'est très clair. Je vais quand même essayer de vous montrer la taille du plateau. Je vous montre un peu le matériel. Donc le sac avec les clones. La machine du docteur, qui est bien conçue aussi. Hein, il y a des petits picots dedans. Quand on balance des cubes dedans, ils sont bien séparés, ça marche bien. On a plusieurs paquets de cartes, hein, donc on a ce qu'ils appellent le gros deck qui va être le paquet central de la partie. On a le paquet des cartes de chaque joueur ainsi que le paquet du Docteur Fou qui va nous dire combien de clones on va rajouter, combien de failles, à quelle époque, machin. Bon. On a le plateau de joueurs, donc à chaque fois c'est juste un petit carton recto verso qui nous indique quel est notre personnage, quelle est sa capacité spéciale. Voilà, on en a quelques-uns. On a une aide de jeu et on a les différents modes de jeu. Donc je vais vous parler du mode sabotage. On a aussi le mode Saya Super Clone. On a l'Ultra Machina et on a la configuration laser avec à chaque fois des règles indiquées dessus. On a nos petits personnages en bois. On a les fameux supraclones avec leur cube d'énergie infinie. On a les centrifugeuses laser. On a des cartes pour le mode... je ne sais plus lequel, bon, peu importe. On a les cubes de faille. On a des cubes d'énergie qu'on va utiliser pour se déplacer ou pour faire des loops. C'est quand même le nom du jeu, donc je vais essayer d'en parler. On a les fameuses missions, hein, donc on en a plus que nécessaire, ce qui permet quand même d'avoir pas mal de renouveau. Et on a 3 failles, puisqu'on n'a pas besoin d'en avoir une quatrième, puisqu'au moment de rajouter une quatrième, on a perdu. On a le plateau du Docteur Fou, qui va prendre quand même un petit peu de place sur la table. Hein, donc ici, on va avoir le paquet de cartes du Docteur Fou. À chaque fois qu'on va révéler une carte, on va venir la placer en dessous, donc ça va dépasser un petit peu quand même. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on verra dans quelle époque le professeur est déjà venu, donc on sait qu'il n'y retournera pas. Et donc on va avoir le plateau central, sur lequel on va avoir la machine du docteur, et autour duquel
on va avoir donc les missions et les failles qui vont venir s'emboîter ici, donc ça prend déjà pas mal de place. Sur chaque époque, on aura soit des failles, soit de l'énergie. On pourra utiliser l'énergie pour se déplacer d'une case supplémentaire ou pour faire un loop. En fait, quand on aura joué une carte qu'on aura jouée vont rester inclinées. On ne peut jouer une carte qu'une seule fois par tour. Mais si je dépense un d'énergie pour faire un loop, je vais pouvoir redresser une carte ou une catégorie de cartes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si j'ai trois cartes de la même catégorie, en dépensant qu'un seul cube d'énergie, je vais pouvoir redresser ces trois cartes et les rejouer. Si j'arrive à me déplacer à une époque dans le même tour où là il y a deux énergies, je vais pouvoir les redresser une deuxième fois pour faire un deuxième loop. Ensuite, si j'ai la possibilité de payer trois énergies pour refaire un loop, je peux le faire, mais chaque loop va coûter de plus en plus cher. Il va falloir faire attention parce que comme c'est un jeu full coop, il faut quand même en laisser pour les copains. Voilà, c'est un super jeu, franchement, moi j'aime beaucoup The Loop. Mais déjà, j'en ai déjà parlé, je pense en tout cas, vaguement. Le thème du voyage temporel, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Donc ce jeu, il était fait pour moi, et c'est un jeu que je ne peux que conseiller si vous aimez les jeux coop. En plus, il joue de 1 à 4, et même tout seul, ça marche pas mal. J'ai eu l'occasion de tester quand même. On joue pas tout à fait de la même manière, parce qu'on va jouer plusieurs personnages, par contre on n'aura quand même qu'un seul deck. Ils ont mis au point un système qui est quand même sympathique. D'ailleurs, on a une petite explication, hein. Le mode solo, c'est une page recto verso, donc c'est vraiment pas compliqué. On a un deuxième manuel pour les différents modes de jeu et on a le manuel global, quoi. Voilà, général. Il s'appelle le règlement intérieur qui, là aussi, peut faire penser au manuel du TVA, du coup. Ça aussi, hein, si vous avez aimé la série Loki, il y a grande chance que vous appréciez le Docteur Fou. Enfin, The Loop, quoi. Et voilà, on passe au suivant. Et c'est The Thing, j'allais dire, de John Carpenter, mais presque. Ici, c'est de Giuseppe Cicero et Andrea Crespi. Évidemment, ça vient du film The Thing de John Carpenter. C'est chez Matago, c'est du 13 ans et plus, de 1 à 8 joueurs, mais ils ont menti, et pour des parties d'une heure et demie. Pourquoi je dis ça? Déjà, je vous le dis, ce jeu, on me l'a offert, mais on me l'a pas offert comme un cadeau, tu vois. En fait, deux amis sont venus à la maison et il y en a un des deux qui avait pris le jeu avec, en se disant « Ah chouette, on peut y jouer de 1 à 8, c'est marqué derrière qu'on peut y jouer en coop et tout, j'ai vu quelque part. » Bon, peu importe. Du coup, on a essayé le jeu à 3, et à 3, ça ne marche pas. C'est nul à chier. Je vous le dis clairement, hein, c'est nul à 3. En fait, de 1 à 3 joueurs, c'est un mode coopératif tout pourri, et le jeu devient intéressant quand on est plus que 3, donc 4, 5, 6, 7, 8. J'imagine que même à 4, j'ai pas testé, mais même à 4, ça doit pas être la folie qu'on peut y jouer jusqu'à 8. Normalement, c'est un jeu à rôle caché et tout ça qui a l'air franchement intéressant, mais à 3, il n'y a pas ça, il n'y a pas de rôle caché. Je vais même vous dire, ça va plus loin que ça, on gère, je crois, 6 personnages dans le jeu. Eh bien, quand on joue en solo, on gère les 6 personnages. On se dit, ouais, c'est ok. Quand on joue à 3, on gère les 6 personnages aussi. Là, tu te dis, mais non, c'est normal, c'est ok, on en gère 2 chacun. Non, 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 non. À mon tour, je vais gérer les 6 personnages, exactement comme si je jouais en solo. Au tour suivant, le joueur 2, il va lui aussi jouer ses 6 personnages exactement comme s'il jouait en solo. Mais c'est les mêmes personnages, hein, on est d'accord. Au tour suivant, du coup, le joueur 3, il va gérer lui aussi les 6 personnages comme s'il jouait en solo. Donc, même quand on est coop, bah, c'est même pas coop. C'est juste du solo, mais chacun son tour. Alors, c'est dommage, parce qu'on a un manuel qui est assez épais. Il fait quand même 28 pages, c'est déjà costaud. C'est un jeu assez costaud, hein. On a un immense plateau. Voilà, j'ai du mal à vous le montrer en entier. On va faire comme ça, on voit presque tout, je bougerai un petit peu, voilà. On a une piste là-bas, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais... Bon, je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus comment ça va. Je sais qu'on va pouvoir se répartir différentes actions. Il va falloir absolument que quelqu'un cuisine pour stocker de la nourriture ici. Donc la nourriture, c'est toutes ces petites lunchbox, les petites boîtes vertes. Même ce matériel-là est chouette, hein. On voit qu'on a des bidons d'huile, là, on a des boîtes de nourriture, on a des jerrycans d'essence. Donc il va devoir nous fabriquer de la nourriture. Là, on va pouvoir analyser le sang. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, il fallait analyser le sang pour voir qui était infecté par la chose ou pas. Ici, on va pouvoir se renseigner sur la météo et donc éventuellement relancer le dé ou garder une phase de dé, je ne sais plus quoi, pour essayer de faire en sorte qu'on ait du beau temps. Parce que le problème, c'est qu'on est sur une base en Antarctique, donc il fait très froid. Donc là aussi, on va avoir le problème de la chaudière qu'il va absolument falloir réparer. Il va falloir stocker du carburant pour la chaudière. Et évidemment, il va y avoir des gens qui vont essayer de la saboter. Bon, je vous le dis déjà, hein, enfin, de toute façon, je l'ai déjà dit, qu'on joue à 3, il n'y a pas de rôle caché. Hein, donc on sait qu'on n'aura pas de traite dans l'équipe. Mais normalement, donc, il va y avoir des traites dans l'équipe.
Et donc le but, ça va être de se barrer de cet endroit-là, de prendre l'hélicoptère sans qu'on ait de traître avec nous. Parce que ça, le problème, on pense qu'on peut avoir gagné la partie, on peut se barrer en hélicoptère, et là, à la fin de la partie, tout le monde révèle sa carte, et il suffit qu'il y ait une chose avec nous dans l'hélico, et on a perdu. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a Norris. Alors ici, ce sera des Standee, hein. J'ai pas la version avec les figurines, hein, mais ça n'a pas d'importance, les Standee, c'est aussi bien. On a Clark, on a Dolls, on a le Docteur Blair, on a Windows, on a MacReady, hein, donc c'était Kurt Russell dans le film. On a Bennings, on a Gary, et on a des aides de jeu et le truc de la chaudière. Bon. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est vous montrer la boîte, le matériel, parce que le jeu, je vais avoir du mal à vous expliquer. Déjà, on a tout un paquet de cartes ici. Mais comme moi, j'y ai joué donc en coop, tout ça, je ne sais même pas ce que c'est, parce qu'on s'en sert pas. Donc ça va être les cartes avec les rôles cachés, tout ça. Il y en a pas mal, hein. Il y a des joueurs qui seront sains, d'autres qui ne le seront pas. On a une pochette de sang avec, si je dis pas de conneries, une pochette avec, du coup, dedans, les pochettes de sang. C'est pas celle-ci, je pense. Si, si, c'est celle-là. Voilà, donc on va les prendre et on va les retourner à chaque fois, je crois, pour savoir si c'est OK ou pas. Là, c'est vert, donc je pense que ça va. Là, c'est noir, donc j'imagine que ça va moins. Je sais plus, ça fait un moment que j'ai joué en plus. Dans cette pochette-ci, qu'est-ce qu'on a? C'est pour les loups et tout ça. Ouais, bon, ça c'est par rapport au déplacement de la chose, j'imagine. Honnêtement, je me rappelle plus du tout. On a les Standee pour la chose qui vont se retrouver là-bas au-dessus. Différentes tuiles aussi pour la chose. On a les loups, on a des dés spéciaux. On a tous ces petits tokens-là qui vont représenter donc de la casse ou de la maintenance à faire sur les différents trucs. Par exemple, on peut voir là-bas, tout ça, il me semble que c'était cassé. Il faut absolument réparer la radio pour ensuite pouvoir appeler l'hélicoptère. Et une fois qu'on a appelé l'hélicoptère, il faut attendre qu'il arrive. Donc il faut quand même bien préparer sa sortie, quoi. Et on a nos personnages, donc c'est des Standee, on leur donne une couleur, et voilà. Et alors on a à chaque fois un pion qui ressemble à un gros bonbon, on a presque envie de le manger. Bon, voilà. Et l'intérieur de la boîte est joli, hein, parce qu'on voit l'intérieur comme ça d'un vaisseau, enfin l'intérieur ou l'extérieur d'ailleurs, je sais pas trop, c'est plutôt l'extérieur, qui était emprisonné dans la glace, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est quoi là? On a les cartes de météo. Oui, ça c'est toutes les cartes avec les objets qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Donc des tonneaux, du fil de fer pour tester le sang, des outils, des armes, voilà les clés de ce truc-là. On peut se barrer aussi avec le chasse-neige, j'allais dire. Mais on a le lance-flammes, on a de la dynamite, on a des haches, des shotguns et tout. Donc voilà, on a vraiment de quoi refaire le scénario du film, c'est pas un souci. Mais si vous aviez l'intention de le prendre pour y jouer à 3 en coop, oubliez, ça ne fonctionne pas. Et franchement, ça m'a énervé qu'ils aient menti sur la boîte parce que bah, le jeu avait l'air trop bien en fait. Et il l'est probablement. C'est juste que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer à plus que 4. Enfin, en tout cas, à plus que 3 même. S'ils n'avaient pas menti sur la boîte, bah, la personne n'aurait probablement pas acheté le jeu. Bon, du coup, il ne l'aurait pas offert d'un autre côté. Mais voilà, il faut arrêter de mentir sur les boîtes, hein, ça ne vous rend pas service. On passe au suivant. Et c'est Tragedy Looper de Back à Fire de la défunte compagnie Philosophia. C'est du 1 à 4 joueurs, mais là aussi, ils ont menti sur la boîte, hein, je vous le dis tout de suite, ça se joue à 4 points. Exclusivement à 4, j'ai envie de dire, des parties de 120 minutes et c'est du 14 ans et plus. C'est déjà du jeu un petit peu costaud. Enfin, partez pas tout de suite. C'est pas si costaud que ça. Attendez, attendez, je vais vous rassurer tout de suite. Donc, Tragedy Looper, c'est un jeu où on va voyager dans le temps à la manière du jeu vidéo. Je sais pas si les plus anciens ont connu ça. Shadow of Memories, c'était à l'époque de la première Xbox et de la PS2, où notre personnage se faisait tuer et on devait à chaque fois remonter le temps pour empêcher que ça arrive, et on finissait par remonter assez loin dans le temps. Ici, ça va être un petit peu la même chose, sauf que c'est pas nous le personnage concerné, on va devoir essayer de sauver d'autres personnes. On a deux manuels, un manuel pour le mastermind et un pour les protagonistes, ou pour les joueurs. Qu'est-ce que c'est que le mastermind? Qu'est-ce que c'est que les protagonistes? Dans tous les cas de figure, c'est pour ça que je vous dis que ça se joue exclusivement à 4, ça va être du 1 contre 3, ou du 3 contre 1, c'est comme vous voulez. On aura d'un côté un joueur qui va incarner le mastermind, qui sera un petit peu une conscience un petit peu malfaisante, et les autres joueurs vont incarner trois protagonistes
qui, eux, vont essayer d'orienter les choses de façon à ce que ça se passe bien. Donc, ce sera toujours 3 contre 1 et on ne peut pas faire autrement. Même si on joue à 2, du coup, il y a un joueur qui va incarner les 3 protagonistes et l'autre qui sera le mastermind, mais celui qui aura les 3 protagonistes va devoir jouer avec les 3 decks. Les 3 decks de chaque protagoniste, c'est les mêmes decks, hein, mais donc il va avoir 3 paquets de cartes. Si on y joue à 3, il y en a un qui va devoir jouer 2 protagonistes et un autre qui jouera un protagoniste. Le dernier sera toujours le mastermind, ça ne peut pas être autrement. Et donc, ils vont devoir alterner entre le moment où il y en a un qui joue 2 decks et l'autre qui joue 1 deck. Donc, ils vont changer. Ce coup-ci, c'est moi qui joue 2 decks, toi, t'en joues qu'un. Bon, je vous le dis, ça se joue à 4. Voilà. Donc, le manuel du mastermind qui fait 40 pages explique au mastermind comment expliquer le jeu aux joueurs sans trop en dire non plus. Et les joueurs ont aussi accès à leur propre manuel qui est un peu plus épais, qui fait 44 pages, mais c'est parce qu'il y a plus d'aides de jeu vers la fin et tout ça. Donc on se retrouve quand même avec 84 pages de règles. On commence à se dire, ça commence à faire beaucoup là, non? En plus là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a des fiches, parce que c'est un jeu de déduction. Mais je vais vous expliquer, ça ne va pas être si compliqué que ça. Dans nos premières parties, on joue avec le côté premier pas. Ensuite, on attaque avec les tragédies de base. Je les ai plastifiées simplement parce que c'était des fiches en papier. On n'est pas censé écrire dessus, hein, d'ailleurs on n'écrit pas dessus, mais je les ai plastifiées surtout pour les conserver dans un bon état. Alors, on a quoi comme matériel à l'intérieur? On a différents tokens, des jetons de paranoïa, des jetons d'intrigue, des jetons de... je ne sais plus les noms, c'est des cœurs. Bon, voilà, on a vu un petit peu le délire. Je vais vous montrer le plateau, parce que ce sera plus simple pour moi à expliquer. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps dessus. Mais on va avoir un plateau très simple, où il y aura au final juste 4 cases. Voilà, 4 lieux. On nous indique sur les lieux directement que c'est le point de départ de tel ou tel personnage, et c'est interdit à tel ou tel personnage. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est interdit, et tout ça est tout à fait logique. Je vous montre. Ouais, je vais pas vous montrer vraiment de scénario. Enfin, si, mais je vais essayer de ne pas spoiler. Rassurez-vous, je ne spoilerai rien. Alors, ça, c'est le scénario numéro 1. Mais ça, c'est la carte qu'on donne aux joueurs. Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les infos. Tout ce que vous savez, c'est que au jour 2, il y a un meurtre de prévu et au jour 3, il y a un suicide de prévu. On va avoir un deuxième plateau comme ça sur le côté. Je vais le mettre par exemple ici, ça n'a pas trop d'importance. Et donc là-dessus, on va indiquer quand même pour se rappeler que au jour 2, on a donc un meurtre de prévu. Au jour 3, on a un suicide de prévu. On va indiquer par exemple combien de boucles temporelles on a. Donc ici, on fait un départ de partie en 3 boucles, ce qui est la difficulté la plus facile pour la première mission. On peut le tenter en 2 boucles, mais c'est nettement plus difficile. Et on pourrait éventuellement indiquer... on n'est pas obligé, hein, ça, mais on pourrait mettre un petit marqueur ici sur le jour 5 pour bien indiquer qu'après le jour 4, c'est terminé, la partie est finie. Ça, c'est les infos qu'on a sur cette carte-ci. Hein. Donc, on voit qu'on va jouer avec le recueil de tragédie du premier pas. Donc, on va jouer avec le côté recto, j'ai envie de dire, de la fiche qui est là-bas. On a le choix entre 2 ou 3 boucles temporelles. Évidemment, en 2, c'est plus difficile qu'en 3. Et on a 4 jours. Le but des protagonistes, ça va être de faire survivre le personnage clé pendant 4 jours, et eux aussi doivent essayer de survivre, parce que les protagonistes peuvent aussi mourir dans certaines conditions, mais bon. Les protagonistes, ils reçoivent une carte comme ça, le mastermind en reçoit une qui est plus complète, où en fait il a une distribution complète des personnages qui sont dans le scénario. Là je vous mets des personnages random, c'est pas un vrai scénario, hein. Mais donc par exemple, imaginons que dans notre scénario on est un patient, on voit que le patient il commence systématiquement à l'hôpital et que tous les autres lieux lui sont interdits. C'est normal, il est malade, il ne peut pas sortir de l'hôpital. Ici, j'ai choisi une informatrice. Donc, elle commence dans le centre-ville. C'est normal. Ici, j'ai pris un employé de bureau qui commence lui aussi au centre-ville. C'est son point de travail. Mais il ne peut pas se rendre au lycée. Et c'est normal aussi. Il n'a rien à foutre à l'école. J'ai choisi une infirmière qui peut se balader partout. Parce qu'il y a aussi des infirmières à l'école, on va dire. Hein. Et elle commence à l'hôpital. C'est normal. C'est son lieu de travail. La lycéenne commence à l'école. Et ici, j'ai une riche héritière qui va, elle aussi, commencer à l'école. Voilà. Un scénario, ça va se passer un petit peu comme ça. On va juste avoir 6 personnages qui sont placés comme ça. Et ce que c'est le mastermind, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, on sait qu'au jour 2, il y a un meurtre de prévu. Le mastermind sait qui est le coupable de ce meurtre. Et on sait qu'au jour 3, il y a un suicide de prévu. Le mastermind sait aussi qui va se suicider ou qui voudrait essayer de le faire. Mais pour que les événements se déclenchent, les incidents, il faut que le personnage, le coupable,
et sa limite de paranoïa qui soit atteinte. On voit que ce personnage-ci a une limite de paranoïa de 1. Imaginons que ce soit elle la coupable du meurtre. Si au moment des incidents, parce qu'en fait la partie va se jouer en différentes phases, donc le matin on a peut-être d'éventuels effets qui vont se déclencher, ensuite on a la phase des cartes d'action où le mastermind va jouer ses cartes, le mastermind va jouer 3 cartes et les autres joueurs vont chacun jouer une carte. On va faire ça juste après, ça va aller assez vite. Ensuite on a les capacités du mastermind qui vont se déclencher en fonction du nombre d'intrigues qu'il y aura déjà sur le plateau, pas tellement de la paranoïa. Ensuite on va avoir les capacités du leader, parce que si vous avez décidé de rajouter des petits cœurs sur une carte, le leader de l'équipe des joueurs, il changera, hein, c'est un peu comme un jeton premier joueur, donc ça changera à chaque tour, décidera s'il veut activer ou pas la capacité spéciale du personnage. Par exemple, ici, c'est retirer un jeton paranoïa d'un autre étudiant de votre choix dans ce lieu. Donc si je regarde par exemple ici la riche héritière, c'est bien une riche héritière, mais elle est aussi étudiante. Donc elle pourrait retirer la paranoïa de ce personnage-là, ce qui pourrait être intéressant. Vous allez comprendre pourquoi juste après, ça va aller vite. Donc voilà, il décide ça. Ensuite, on a la phase des incidents. Et si pendant cette phase-là, on remarque que la lycéenne, elle a de la paranoïa sur elle, parce que le mastermind en a rajouté, et que ce personnage-là meurt, on sait que c'est elle la coupable. C'est flagrant. Mais on a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on a appris ? Ben, si par exemple ce personnage-là meurt et que la partie continue, ça veut dire que ce personnage-là n'est pas très important. Parce que si ce personnage-là meurt et que le mastermind vous dit « vous avez perdu, vous allez être obligé de remonter le temps pour empêcher que ça arrive », ça veut dire que ce personnage-là est très important et qu'il va absolument falloir le protéger. Donc au tour suivant, on ne pourra pas laisser ce personnage-là gagner de la paranoïa, ou en tout cas on va devoir s'arranger pour qu'elle ne se retrouve pas seule avec un autre personnage. Donc on a déjà appris quelque chose. En plus de ça, pendant la partie, pendant plutôt la phase des capacités, il va y avoir de l'intrigue qui va se rajouter sur des personnages ou sur des lieux. Et si, imaginons qu'il y ait de l'intrigue sur ce personnage-là et que ce personnage-là meurt, là on va se servir de notre fiche et on va se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui fait que... » On sait que dans un premier pas, on va avoir le choix entre 3 machinations principales et 3 secondaires. On voit que des tueurs, au final, il n'y en a qu'un seul, peu importe le cas. Qu'est-ce qui se passe avec le tueur ? Le tueur, ça nous dit que, en fin de journée, si le personnage clé a 2 intrigues ou plus et se trouve dans le même lieu que le tueur, le personnage clé décède. Ça voudrait dire que ce personnage-là est donc le personnage clé, donc c'est absolument lui qu'il va falloir protéger. Et en plus, celui-là, c'est forcément le tueur. Mais du coup, on sait qu'on est forcément dans la machination du meurtre prémédité. On sait qu'il y a un personnage clé, on sait déjà qui c'est. Et on sait aussi qu'il y a un cerveau. Ce serait bien d'essayer de définir qui est le cerveau. Ensuite, on va devoir essayer de deviner la machination secondaire en utilisant les mêmes méthodes. Je vous montre un paquet de joueurs qui peut rajouter de la paranoïa. Pourquoi un joueur rajouterait de la paranoïa sur un personnage ? Ben simplement pour faire un test éventuellement, parce que les joueurs n'ont pas besoin de rajouter de la paranoïa. Mais si on rajoute de la paranoïa sur ce personnage-là, et que le jour du suicide, elle meurt, ben on sait que c'est elle. Voilà, on a fait un test et on sait que ce serait elle la suicidaire, par exemple. On peut enlever de la paranoïa, ça c'est intéressant, par contre on peut le faire qu'une fois par boucle temporelle. Ça veut dire que si ça se passe bien et qu'on passe au deuxième jour, donc on va dire au mardi, on ne va pas récupérer cette carte. Et ensuite si on passe au mercredi, on n'a toujours pas cette carte, donc ça va être de plus en plus compliqué. Par contre si on rate et qu'on revient au premier jour, on va venir récupérer cette carte. Ensuite on a une carte qui va faire en sorte que le mastermind ne peut pas rajouter d'intrigue. On va pouvoir déplacer des personnages, donc si cette carte a été jouée, toutes les cartes seront jouées face cachée, hein. Mais si on a joué ça sur une carte, eh bien la carte va venir se déplacer ici, donc verticalement. On a plusieurs combinaisons possibles parce que les joueurs ne peuvent pas jouer une carte là où un autre joueur a déjà joué une carte. Mais ils peuvent jouer une carte là où le mastermind en a joué une. Et si le mastermind avait joué un déplacement horizontal par exemple, et que les joueurs viennent dessus rajouter un déplacement vertical, on va combiner les deux pour faire un déplacement diagonal. Voilà. On a une carte qui va empêcher les déplacements, là aussi, une seule fois par boucle temporelle. On a le déplacement horizontal, on a rajouté de la faveur, 2 faveurs, mais une seule fois par boucle temporelle, mais ça sert à activer les différentes capacités, ça peut être sympa. Rajouter une faveur,
Et ça, on a fait le tour. Alors, on a fait le tour du paquet d'un joueur, c'est pas plus compliqué que ça. Le paquet du Mastermind est sensiblement pareil, il a deux cartes de plus et il a des cartes que les autres n'ont pas, évidemment. Il peut rajouter de l'intrigue. Il est le seul à pouvoir faire du déplacement directement en diagonale. Il peut empêcher l'ajout de paranoïa, il peut retirer de la paranoïa, il peut empêcher de mettre de la faveur. Voilà, c'est sensiblement la même chose. Donc comment ça va se passer pendant un tour de jeu? Le Mastermind, il va jouer trois cartes face cachée. Là, je joue au hasard, hein. Franchement, je ne regarde même pas, je mets n'importe quoi. Imaginons que le Mastermind est joué comme ça. Donc les joueurs, à chacun à leur tour, ils vont placer donc, une carte en se disant il faut absolument qu'on l'empêche de faire ces trucs. Donc je vais jouer une carte comme ça. Un autre joueur va jouer une carte là. En plus, je ne regarde pas. Oui, j'utilise des sleeves de Magic. Voilà, c'est mes anciennes sleeves. Et ouais, je ne vais peut-être pas essayer de le contrer. Lui, il est censé être debout. Hein. Mais je vais peut-être jouer une carte là. Voilà, comme ça. Ensuite, on va révéler toutes les cartes. Il y a des priorités. Hein. Je crois que c'est les pas 2 en priorité. Ensuite, c'est les déplacements. Est-ce qu'on a des pas 2? Donc pas de déplacement, pas d'intrigue, non, on n'a pas. Donc ensuite, on va faire des déplacements. Par exemple, ce personnage-ci va se retrouver au sanctuaire, puisqu'il a le droit d'y aller en plus. Celui-ci, il va gagner un d'intrigue, mais il va perdre un de paranoïa. De toute façon, il n'a pas de paranoïa, donc il va gagner un d'intrigue. Ensuite, celui-là, il va gagner un de paranoïa. Celui-ci, il va gagner deux intrigues, et il va se retrouver au sanctuaire. Donc c'est ça, plus deux intrigues et... déplacement latéral. Il ne faut pas oublier de défausser ces cartes-là puisqu'on ne les retrouvera pas avant la prochaine boucle temporaire. Alors, il ne peut pas aller au sanctuaire, mais il va quand même prendre les deux intrigues. Pourquoi il ne peut pas y aller? Parce que le patient ne peut pas sortir de l'hôpital. Voilà, et donc c'est ça le jeu. Il va falloir essayer de découvrir dans quel scénario on se trouve et faire en sorte que les meurtres qui sont censés arriver n'arrivent pas. Surtout faire en sorte que le personnage clé survive. Et voilà, et c'est ça. Et il y a des scénarios qui sont vraiment, vraiment intéressants, et j'ai pas envie de vous en parler, pour éviter les spoils. Voilà, c'est Tragedy Looper, un jeu que je ne peux que conseiller si vous aimez les jeux de déduction. C'est peut-être difficile à trouver maintenant. Même les extensions, hein, j'ai vu que dans les langues étrangères, genre en espagnol, ils ont eu des extensions, au moins une. On les a jamais eues chez nous. Bon, après, si on regarde sur BGG, on peut trouver des traductions, des trucs, des machins... Hein. Et on n'a que 10 scénarios dans la boîte, par contre, on nous explique comment faire un scénario. Et comme je vous l'ai dit, un scénario, ce n'est pas un texte. Hein. C'est une carte comme ça, un petit peu plus complète. Enfin, deux cartes, du coup. Celle qui n'y a presque rien dessus, et l'autre qui est plus complète. Et voilà, on peut faire nos propres scénarios. Donc, je suis sûr que si on va voir sur BGG, on va trouver plein de scénarios. On passe au suivant. Et c'est Twilight Struggle de chez Pixie Game. Un jeu conçu par Amanda Kupta et Jason Matthews. Un jeu qui est sorti en 2021 chez nous. Mais en 2009 ailleurs, donc il a pris un petit peu de temps. Il a pris le Covid, mais avec 10 ans d'avance. Là, ils n'ont pas menti sur la boîte, hein, c'est un jeu à deux, exclusivement à deux, c'est un jeu de guerre, hein, c'est un jeu de guerre sur le thème de la guerre froide, hein, donc c'est une guerre froide. Le jeu est vraiment excellent, très stratégique, bah, c'est un jeu de stratégie, donc évidemment que c'est très stratégique. Je vous montre l'arrière de la boîte, bon, c'est pas foufou, est-ce que ça donne envie? Je ne sais pas. J'avoue que quand j'ai vu le jeu la première fois, j'en ai déjà parlé, hein, quand j'avais fait une vidéo sur mes achats du premier trimestre, je crois que c'était ça. Je m'étais dit au début, parce que le jeu, je l'ai sur Steam depuis des années, et je m'étais dit, oh, quand même, c'est moche. En plus, le jeu sur Steam était en anglais, et j'avais pas envie de faire tout le tuto qui était assez long, hein, parce que j'ai essayé de le faire. Et tout le tuto était en anglais, donc je devais tout traduire et tout. Je suis pas bilingue, hein, donc je m'en sors en anglais, mais bon, c'était quand même chiant. Et puis tu vois le plateau, tu dis, waouh, c'est pas beau et tout. Et au final, quand on a le jeu devant soi, eh bien, je trouve que le plateau est très bien. Je le trouve plus joli que sur le jeu vidéo. Il est surtout très clair. On a trois paquets de cartes. Hein. On a un paquet de milieu de guerre, un paquet de fin de guerre et un paquet de début de guerre. Puisque, comme c'est un jeu historique, il y a des événements qui ne peuvent se passer qu'à certaines périodes de la guerre, évidemment. C'est pas en 89 que De Gaulle va prendre le pouvoir. Hein. C'est trop tard. Voilà. On a tout un tas de jetons. Ici, par exemple, c'est des tokens qui vont servir pour l'armée russe. Ici, on a ceux de l'armée américaine. Comment ça va se passer en essayant de faire court? Je vous montre le plateau qui, là aussi, est immense. Voilà, donc on a un immense plateau que je trouve très clair, au final, une fois qu'on a compris comment ça allait. On a des belles couleurs pour bien s'y retrouver. On a l'impression, même à certains endroits, qu'il est sale, mais pas du tout. Il est comme ça, il a un design assez particulier. Et au final, quand il est sur la table, eh bien, je le trouve absolument splendide. Donc comment ça va se passer? Eh bien, dès le début de la partie, les États-Unis vont avoir une certaine présence, voire même un certain contrôle dans certains pays.
On voit par exemple que là, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un 5 sur fond bleu. Ça veut dire que là, les États-Unis contrôlent le Royaume-Uni, alors que les Russes contrôlent l'Allemagne de l'Est. Les pays qui sont avec une bande noire, par exemple, on voit là Italie, France, RFA, RDA, Pologne, c'est des pays dits sensibles, les autres, c'est des pays normaux. On a un système de scoring qui se fait à l'équilibre, hein, donc c'est une balance. Ça veut dire que quand les États-Unis gagnent des points, ça veut dire que les Russes en perdent. Le premier qui gagne 20 points remporte la partie. On a ici un système de manœuvre militaire, donc ça veut dire qu'en fin de tour, en fin de manche, je vais dire, on va se prendre un malus, mais on va se le prendre tous les deux. Si personne n'a fait la guerre, on est en DEFCON 5, on va faire 5 moins 0 si on n'a pas fait de manœuvre militaire, donc on va se prendre un malus de 5, sauf que l'adversaire va se prendre le même malus, donc 5 moins 0 pour les Russes, 5 moins 0 pour les Américains, ça fait 5 à chaque fois, donc ça ne va pas changer. Hein, on va perdre 5 points de victoire, on va gagner 5 points de victoire. Okay. Ça veut dire aussi que si un adversaire joue des manœuvres militaires, son malus va être réduit, ce qui fait qu'il va gagner un bonus. Imaginons que les Russes aient fait une manœuvre militaire à 3, en fin de manche, on fait un 5-3, ils se prennent un malus de 2, alors que les Américains, ils se prennent un 5-0, ils se prennent un bonus de 5, donc au final, c'est les Russes qui ont gagné 3 points de victoire. Donc on va jouer déjà avec ce système d'équilibre, et il va falloir essayer de garder l'équilibre, pas seulement sur les manœuvres, mais sur tous les pays. Parce que dans notre main, il se pourrait qu'un des joueurs se retrouve avec une carte de scoring. Le truc d'une carte de scoring, c'est que déjà, on est obligé de la jouer pendant la manche en cours. On ne peut pas la garder à la fin de la manche. C'est pas compliqué. Si on a une carte de scoring dans notre main à la fin de la manche, on a perdu. C'est rude. C'est rude. Mais comme on le voit ici, par exemple, c'est le système de scoring de l'Europe. Si j'ai juste une présence en Europe, ça veut dire que je gagne. Je contrôle un pays. Je vais gagner 3 points de victoire, plus éventuellement, ici, on voit 1 point par pays sensible. Donc, si le pays que je contrôle, c'est l'Italie, je vais gagner 4 points de victoire. Si je suis en domination, là, ça veut dire que je dois remplir deux conditions. Il faut que j'ai plus de pays que l'adversaire et il faut que j'ai plus de pays sensibles, les deux. Ça veut dire que si l'adversaire, il contrôle, par exemple, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, donc ils sont 3 pays, j'ai envie de dire, normaux, et que moi, je contrôle la France et la RFA, donc j'ai 2 pays sensibles, donc ça, c'est bien, ça vaut plus de points. Par contre, je ne suis pas en état de domination parce qu'il a plus de pays que moi. Et lui non plus ne l'est pas. Donc on sera tous les deux juste en présence éventuellement. Et en contrôle total, bah pour ce qui est de l'Europe, c'est particulier. Celui qui contrôle totalement l'Europe, donc c'est quand on contrôle tous les pays sensibles, c'est une victoire automatique, on gagne directement. Alors, dans notre main, on va avoir plusieurs types de cartes. Là, j'ai pris plusieurs cartes. Disons que je joue les Américains, je vais mélanger un petit peu comme ça. Je n'ai pas tout le paquet, là, j'ai pris qu'une partie et je vais prendre... voilà. Combien on a de cartes? Bah, c'est marqué là. Ça nous dit qu'en début de manche, on doit avoir 8 cartes en main et qu'on va en jouer 6. On va compter les cartes qu'on a jouées ici, avec un petit marqueur pour bien se rappeler qu'on ne joue pas une carte de plus. Parce que quand on dit on doit en jouer 6, on doit en jouer 6. On ne peut pas en garder. Hein. Ah si, on peut en garder 2 puisqu'on en a 8. Voilà, là je prends 8 cartes, comme si on y était. Bon. Et voilà, typiquement ce que je voulais voir. Imaginons que je sois les Américains, j'ai donc 3 types de cartes en main. Des cartes américaine avec une étoile bleue, des cartes russes avec une étoile rouge et des cartes neutres avec une étoile qui fait un petit peu les deux. Les Américains, à leur tour, qui veulent jouer une carte, par exemple celle-ci, ils peuvent la jouer soit pour le 3, ça va servir à faire des manœuvres militaires, ça vraiment je ne vais pas rentrer dans le détail, on a une aide de jeu qui ne parle que de ça, donc on va pouvoir rajouter de la présence dans un pays, on va pouvoir, donc de l'influence, hein, on va pouvoir tenter un coup d'état, on va pouvoir tenter un réalignement, ces différentes stratégies qui vont servir à augmenter, à diminuer la présence de l'adversaire dans un pays. Ça veut dire que déjà rien qu'avec ça je peux jouer cette carte de 3 façons différentes. Rajouter de l'influence, tenter un coup d'état, tenter une manœuvre de rééquilibrage. Déjà ça, c'est intéressant. Ou alors, je peux jouer cette carte pour son effet. Je choisis l'un ou l'autre. La petite carte orange ici, ça veut juste dire que cette carte-là, une fois qu'elle a été jouée, elle est défaussée et on ne la reverra plus de la partie. Voilà, donc là, on a vu une bonne carte, on va dire, pour les Américains. Maintenant, imaginons que je n'ai pas le choix, comme j'ai dit, on est obligé de jouer 6 cartes. Mais si dans ma main, j'ai que ça, je vais être obligé de jouer des cartes russes. Si j'ai une carte russe, je peux là aussi la jouer pour sa manœuvre militaire. Donc là, je peux utiliser les chiffres pour faire ce que j'ai fait avec l'autre. Hein. Donc, rajouter de l'influence, faire un coup d'état, machin truc. Par contre, les Russes vont bénéficier de l'effet de la carte. Si je joue cette carte-là pour le chiffre, les Russes vont bénéficier de ça. Et évidemment, c'est un effet qui leur est bénéfique. Par contre, je peux choisir si je veux faire mes manœuvres avant leur effet ou s'ils font leurs effets avant que je fasse mes manœuvres. Mais de toute façon, ils vont bénéficier de l'effet. Donc le truc, ça va être d'essayer de jouer ça au moment où c'est le moins intéressant possible pour les Russes. Bon, par exemple, cette carte-ci, qu'est-ce que c'est? C'est la,
la formation du pacte de Varsovie. Donc ça nous dit retirer toutes les influences bleues, hein, donc dans quatre pays d'Europe de l'Est, ou ajouter cinq influences rouges en Europe de l'Est, mais deux maximum par pays. Donc bah déjà, ça peut être intéressant de jouer ça. Ouais, bon, c'est jamais intéressant. J'allais dire au moment où on n'a pas d'influence, par exemple, en Europe de l'Est, comme ça, on n'a rien à enlever, mais si, dans le cas contraire, on va devoir en rajouter 5. Ben, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que ça va l'avantager au scoring. Après, si c'est nous qui avons la carte de scoring, on peut peut-être encore s'en sortir, essayer de les dégager après. Bon, sinon, on a les cartes neutres, et en fait, les cartes neutres, elles peuvent se jouer exactement comme les cartes américaines. On les joue soit pour leur valeur, soit pour leurs effets, et voilà. Si vraiment, il y a une carte qu'on ne veut pas jouer, on peut la jouer pour la course à l'espace. Le truc, c'est que ça, on peut le faire qu'une seule fois par manche, en tout cas en début de partie. Ça veut dire que on joue la carte pour le chiffre, mais on la joue pour la course à l'espace. Là, ça nous dit, par exemple, normalement, on a un petit pion ici qui nous indique où est-ce qu'on en est. On en a deux, un pour les Russes et un pour les Américains. Là, ça nous dit qu'il faut jouer une carte qui fait au moins deux en valeur d'attaque. Là. Donc là, c'est trois, donc ça passe. Et je dois lancer un dé. Ouais, il y a des dés. Si je fais un, deux ou trois, ça passe. Et je passe au premier niveau de ce machin-là, de la course à l'espace, et donc je gagne 2 points de victoire. Si quelqu'un d'autre arrive à... l'adversaire arrive à rejoindre cette case, mais après, il ne gagnera qu'un point de victoire. Si j'arrive à cette case-là, à partir de là, on va pouvoir jouer 2 cartes par manche pour la course à l'espace. Donc ça devient déjà plus intéressant pour se débarrasser des cartes. À chaque fois, on perd un tour, évidemment, hein, parce que c'est un tour, on ne fait rien. On ne fait que balancer une carte pour la course à l'espace. Même si ça rapporte des points de victoire, ça n'en rapporte pas beaucoup. Mais ça peut se jouer à un point, en final, une partie. Hein. Et si on arrive à aller jusque-là, on n'est plus obligé de conserver des cartes à la fin de la manche. Donc ça veut dire que s'il me reste des cartes rouges à la fin d'une manche, je peux quand même les défausser et je vais me repiocher une nouvelle main de cartes. Il faut savoir que la valeur de la main change. Donc là, on a 8 cartes au tour 1, 8 cartes au tour 2, 8 cartes au tour 3. Dès qu'on arrive au milieu de guerre, on passe à 9 cartes et on en joue 7. Il y a même un bonus qui nous fait que, voilà, si on arrive jusqu'au bout de la piste de la course à l'espace, on va pouvoir jouer 8 cartes par tour. Il faut faire attention aussi aux manœuvres militaires, parce qu'à chaque fois qu'on fait une manœuvre militaire, le niveau de DEFCON va baisser. Plus c'est bas, moins bien c'est. Et déjà, quand il arrive à 4, on ne peut plus faire de coup d'État ou de réalignement en Europe. Une fois qu'on est à 3, on ne peut plus le faire ni en Europe ni en Asie. Une fois qu'on est à 2, on ne peut plus le faire ni en Europe, ni en Asie, ni au Moyen-Orient. Et si ça arrive à 1 pendant notre tour, on a perdu. C'est la guerre nucléaire globale. On a perdu. Théoriquement, on devrait se dire bah, tout le monde a perdu, sauf que non. Si ça arrive pendant ton tour, bah, t'as perdu avant moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on vous dit, mais on n'a qu'à faire en sorte que ça n'arrive pas. Comment il baisse le DEFCON? Il baisse quand on fait des coups d'État. Ouais, bah, on ne fait pas de coups d'État quand le DEFCON est à 2. On est d'accord. En plus, le DEFCON remonte d'une case à chaque manche, donc il va remonter tout seul. Mais certaines cartes, si on ne fait pas un petit peu gaffe, pourraient provoquer une baisse du DEFCON. Imaginons que les Américains se disent « Tiens, on va faire une trêve et on va lancer les Jeux Olympiques. » Bon, là, voilà, la carte des Jeux Olympiques. Vous organisez les Jeux, mais votre adversaire peut les boycotter. Bon, déjà, c'est marqué dessus, il faut faire attention, hein, faut bien lire les cartes. S'il le fait, le niveau de DEFCON diminue de 1 et vous pouvez effectuer une opération comme si vous aviez joué une carte de coup 4. C'est intéressant parce que c'est une carte de coup 2. Donc ça veut dire que si on la joue, qu'on est en DEFCON 3, on sait que le DEFCON va baisser, mais je vais quand même pouvoir faire une grosse opération militaire, donc ça reste intéressant. Par contre, si on la joue, qu'on est DEFCON 2 et qu'il refuse de faire les Jeux Olympiques, on passe en DEFCON 1, dans ce cas-là, on a perdu, donc il ne faut pas faire ça. Et si on accepte et qu'on joue les Jeux Olympiques, donc chaque joueur lance un D6, mais vous bénéficiez d'un bonus de plus 2. Celui qui obtient le résultat le plus élevé gagne 2 points de victoire. Relancer en cas d'égalité. Je sais pas si c'est intéressant, je pense que les Russes ils vont systématiquement refuser démarrer les Jeux Olympiques avec un malus bof quoi. Bon voilà, enfin ce Twilight Struggle, c'est un jeu qui est vraiment intéressant. On a toute la ligne du temps et c'est repris dans le jeu, hein. Tous ces événements sont dans le jeu. Là on voit juste à la fin de la guerre, là on voit la guerre civile en Chine, on voit le rideau de fer, et puis ça avance plus loin, tac, tac, tac. Là, on est en 69, et on avance, poum, 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 et on arrive en 89 avec la chute du mur. Et voilà, donc Twilight Struggle. Si vous aimez les jeux de stratégie exclusivement à deux, c'est un jeu que je ne peux que conseiller. Alors, il peut être frustrant parfois, hein, parce que le système de car driving, comme ils appellent ça, peut faire parfois un peu grincer des dents, mais c'est ça le jeu. Hein. Le fait qu'on ne se retrouve qu'avec des cartes américaines alors qu'on est russe, ça peut être relou, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir essayer de jouer la course à l'espace, essayer de se débarrasser des cartes, essayer de les jouer au bon moment.
De toute façon, ça va être pareil pour l'adversaire. Lui aussi va probablement se retrouver avec des cartes qui l'intéressent moins. Et voilà. Sur ce, on passe au suivant. Et c'est là qu'on se rend compte que le classement alphabétique peut parfois nous faire faire des choses un petit peu étranges. Hein, parce qu'après les atrocités de la guerre froide, on va assister à une course de licorne sur un arc-en-ciel. Ouais. Alors, c'est pas du tout un jeu pour les enfants, hein. C'est quand même un jeu de paris hippique, hein. Donc je le dis tout de suite, même si on peut y jouer avec des enfants, bon. C'est du 2 à 6 joueurs pour du 10 ans et plus, des parties de 45 minutes, c'est chez Yellow, et comme je l'ai dit, c'est un jeu de paris hippique où on va parier sur la victoire d'une licorne, exactement comme on parierait sur un cheval. On a un manuel qui est quand même déjà... il y a 20 pages, quoi. 20 pages, il est bien. On a un plateau de jeu qui est très arc-en-ciel. On a une boîte, ils nous ont mis un couvercle ici, il y a un couvercle là, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça bien, voilà, on a un couvercle. Moi je me suis amusé à peindre les licornes quand j'ai remarqué qu'ils vendaient une sorte d'extension, en fait ils vendaient les licornes à part qui étaient déjà pré-peintes, elles étaient plus grosses et pré-peintes, mais je me suis dit, bah au final je peux le faire, hein. Donc j'ai peint mes licornes, voilà, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, je me suis amusé à peindre les licornes et à leur mettre des petites couleurs un petit peu shiny comme ça. On regardera les noms des licornes après, peut-être. Mais donc voilà, ça se fait. Ça se fait, on peut peindre nos pions. Alors, on a de l'argent, on a beaucoup d'argent. Là aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a des pièces d'or qui valent 1. On a des saphirs, des rubis, des diamants. Donc, tout ça, c'est de l'argent. On va aussi gagner un titre de propriété, parce qu'en début de partie, on reçoit un titre comme ça. On est tous propriétaires d'une licorne. Ça n'a pas d'influence sur le déroulé de la partie. On n'a pas besoin que la licorne dont on est propriétaire gagne. Simplement, si la licorne gagne, qu'on ait parié dessus ou pas, on va gagner de l'argent. Donc si notre licorne, imaginons que j'ai acheté la licorne, que je sois propriétaire de la licorne rouge, si la licorne rouge gagne, je vais gagner 6 pièces d'or. Si elle finit deuxième, je vais en gagner 4. Si elle finit troisième, je vais en gagner 2. Voilà, on n'a rien à faire et on gagne un petit peu d'argent si la licorne gagne. On va avoir tout un tas de jetons qui seront posés là sur le plateau. Ils sont dans un certain ordre et on ne les met pas tous en fonction du nombre de joueurs. Là, par exemple, on voit que le A va sur le B et c'est la couleur... c'est quoi? C'est les bleus? C'est les mauves? C'est les bleus. Je crois que c'est bleu. Ouais, parce que le mauve est ici. Donc là, j'ai un B. En plus de ça, il y aura des cartes ici. Bon, déjà, on a les cartes des différentes licornes. Hein, comme ça, on voit les noms des licornes. On a Franky Flocon, El Fulgranto. On a Carmen Canel. On a la Mélodie Douce. On a Rodolphe le Duc. On a Hilda la Rabat-Joie. Et on a fait le tour. Voilà. Et on va avoir nos cartes qui sont ici. Simplement, celle qui sera la moins bien cotée, hein, celle qui devrait théoriquement perdre la course, on va retourner sa carte pour lui donner quand même un petit bonus. Et elles ont tous un bonus différent. Par exemple, ici, El Fulgranto. Lorsque cette licorne sprint, elle se déplace de 2 cases au lieu d'une. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Ça peut faire une belle diff. Voilà, ici on va avoir des cartes qui seront donc des contrats, des missions à... On va regarder un petit peu. On a des cartes de magie. Bon, je vais les mettre là pour le moment. On a évidemment les cartes de la course. On a les différents contrats. Alors, on a plusieurs factions. J'ai plus le nom des factions. Hein. Donc, on a des espèces de lutins, on a des gnomes. Je crois que c'est ça. On a des léprechaunes, on a des sorciers, on a des fées, on a des lutins et des gnomes, je crois que c'est ça. Et en fait, on prend 2 de ces paquets, on les mélange pour faire une pioche de contrats et on révèle 3 contrats. Et ça ressemble à quoi un contrat? Bon, déjà, celui-ci, je crois qu'il rajoute, il nous fait gagner 1 point de gloire et c'est la gloire qui va compter en fin de partie. Juste avant le début de chaque course, vous pouvez regarder une carte magie au hasard sur n'importe quelle licorne. Ensuite, vous pouvez l'attribuer à une autre licorne, ce qui peut être pas mal. Parce que ce qui va se passer, c'est que avec les différentes actions, on a droit à 3 actions par tour. On va avoir la possibilité de jouer cette action aussi. Ça veut dire qu'on peut jouer 4 magies. Une fois que ça a été pris, évidemment, plus personne ne peut le faire. Par contre, ça libère quand même l'action qu'on peut jouer 3 magies. Une fois que ça a été pris, là, on ne peut plus le faire. Au début, on a une main de départ de 5 cartes. Je crois. La magie ressemble à ça. Par exemple, celle-ci, ça nous dit que départ plus 1. Donc le premier déplacement de cette licorne-ci, elle va faire plus 1. Toutes les cartes vont être jouées face cachée sur la licorne. Hein, imaginons en fonction des paris qui ont été faits. Bon, voilà, ça peut ressembler à ça. Et au début de la course, on va donc les retourner. On va vérifier qu'il n'y ait pas de doublons. Parce que là, par exemple, comme on peut le voir, j'ai une magie blanche F et une magie noire F. La magie blanche, elle fait plutôt accélérer, la noire, elle fait ralentir. Bon, ici, on voit que c'est code plus 1, code moins 1, c'est pas compliqué. Quand c'est 2 lettres de couleurs différentes, elles s'annulent, donc ça disparaît. Et il reste que la magie G, qui nous dit de défausser une négative. Ben là, il n'y en a plus, donc elle ne sert plus à rien non plus. On va regarder ici, bon, c'est du pur hasard, hein, j'ai pris au hasard. On a une A,
qui nous dit départ plus 1, et on a celle-ci qui nous dit perd les égalités. Donc, ouais, en cas où elle arriverait à la ligne à la fin en même temps qu'une autre, eh bien, elle perdrait. Donc, voilà à quoi servent les magies. On va pouvoir influencer la course, donc déjà, ça, c'est sympa. On va aussi pouvoir emprunter de l'argent pour faire plus de paris. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Il va falloir absolument rembourser. On a des dés pour la course, mais ça, je vais revenir à la course. Et on va avoir la possibilité de faire plusieurs paris. Si je prends ce jeton-là comme action, je peux faire soit un pari où je parie que ma licorne arrivera en première de la course. Et là, en fonction de sa cote, je vais pouvoir gagner gros parce que je vais... Imaginons qu'elle soit censée être la dernière de la course. On ne voit pas. Mais... celle qui a la moins bonne cote, c'est celle qui rapporte le plus. Parier sur celle qui a le plus de chances de gagner, évidemment que ça rapporte moins. C'est un pari plus sûr, donc ça rapporte moins. Si j'arrive à faire en sorte que la licorne qui est censée arriver dernière remporte la mise, enfin remporte la première place, et que j'ai parié qu'elle arriverait en premier, je vais gagner 7 fois ma propre mise. Donc si je mets en début de partie, on a 10 d'or. On a 20 d'or. Si je mets ne serait-ce que 10 d'or sur cette licorne, je vais gagner 70. Donc déjà... c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, c'est un bon départ. Bon, c'est difficile, hein. Faire en sorte que cette licorne la gagne, ça va pas être si simple que ça. Mais on voit un peu le délire. Je peux aussi faire un pari podium. Dans ce cas-là, je vais gagner 2 fois ma mise. Je vais gagner aussi 3 points de gloire. Alors que si je gagne une course en étant premier, et que j'ai parié qu'elle arriverait premier, là je gagne 5 points de gloire. Et je peux aussi jouer 2 magies. Avec celle-ci, je peux faire le même pari, mais je peux jouer qu'une seule magie. Une fois qu'il y a plus de tokens comme ça, on peut toujours continuer à parier, mais on n'a plus de magie. Ici, je parie qu'elle arrivera premier, et en plus de ça, je vais gagner 2 points de gloire. Et ici, je parie pareil, mais avec un seul point de gloire. Ici, c'est pour récupérer le jeton d'initiative, parce qu'évidemment, le jeton carotte, c'est le jeton premier joueur. Celui qui a l'initiative est celui qui parie en premier. Donc c'est lui qui peut faire peut-être le pari le plus intéressant. Donc ça peut être intéressant. Mais je ramasse quand même 10 d'or et une magie. Là, c'est 10 d'or et une magie, et là, c'est juste 10 d'or. Ici, c'est pour jouer 4 magies, on l'a vu. Là, ça nous permet de récupérer un contrat gratuitement. On a vu que les contrats, ça pouvait être intéressant. Ici, ça nous permet de récupérer un contrat, mais ça va nous coûter 3. Et ici, ça, on va pouvoir récupérer un contrat, mais ça va nous coûter 7. Voilà, donc on a vu les 3 actions possibles à chaque tour. Et ensuite, ben, on a la course de la licorne. Comment ça va se passer? On va révéler une carte. Et chaque licorne, en fonction du classement qui sera là-bas au-dessus. Hein, donc, en face de ça, on va avoir des tokens de couleur qui sont ici. Qui seront là, qui seront alignés. Et donc, on sait par exemple que, je ne sais pas, la rouge va avancer de 2, la jaune va avancer de 2, l'orange va avancer de 3, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a terminé la carte, on va lancer les dés. Où est-ce que j'ai mis les dés? Voilà, le vert avance d'une case de plus, et l'orange avance d'une case de plus. En fonction de la carte qu'on avait mis aussi, on a vu qu'il y avait des cartes qui avaient un sprint plus 1. Donc, il se pourrait que l'orange, elle avance de plus 2. Dans le cas où je serais tombé sur le vert 2 fois, eh bien le vert ne va quand même avancer que d'une case. On ne peut faire qu'un seul sprint par tour avec les dés. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on aura terminé la 4e course, parce qu'il n'y aura que 4 courses, on va regarder qui aura le plus de points de victoire. De points de gloire, pardon. On peut échanger 20 pièces d'or contre un point de gloire, mais on a vu qu'on pouvait gagner des points de gloire autrement. Donc c'est là que ça peut être intéressant de jouer les contrats, de rembourser nos prêts aussi. Hein. Je ne sais plus exactement comment ça va avec les prêts, mais je sais qu'il faut les rembourser, sinon c'est pas bien. Et les cotes des licornes vont changer pendant toute la partie. Si une licorne a perdu une course alors qu'elle était censée faire mieux que ce qu'elle a fait, imaginons qu'elle était arrivée, je sais pas moi, 5e alors qu'elle était censée arriver 3e, eh bien sa cote va diminuer. Et inversement, si une licorne a fait mieux que ce qu'elle était censée faire, sa cote va augmenter. Donc ça peut arriver qu'on ait 2 licornes sur la même cote et qu'on ait des lignes qui soient vides. Et voilà, donc chaque licorne va avoir 3 drapeaux, voire 2 en fonction du nombre de joueurs. Ça veut dire aussi que, en fait, quand je parie que la licorne rouge arrive en premier, je prends ce drapeau-là et je mets l'argent dessus et je garde ça près de moi. Ça veut dire que plus personne ne peut parier sur le fait que la licorne rouge va arriver première. Mais il reste évidemment les 2 paris podium. Si un joueur parie qu'elle va arriver dans le podium, un autre joueur peut encore le faire, et encore, comme je dis, ça dépend du nombre de joueurs. Et ensuite, une fois que c'est fait, plus personne ne pourra parier sur la licorne rouge. C'est trop tard. C'est là qu'on se dit que, ah ouais, d'accord, le jeton carotte, ça peut être intéressant quand même si on veut vraiment parier sur la licorne qu'on a envie. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Donc c'est vraiment un jeu de pari, et on va jouer la course en disant, ouais, la licorne verte prend la tête, attention à Francky Flocon.
Voilà, on essaye de mettre un petit peu l'ambiance. Et le jeu est vraiment chouette, hein. Il est plus profond qu'il en a l'air. Alors c'est vrai que parfois il faut réussir à accrocher les copains. Parce que quand j'ai sorti ça la première fois, il y en a qui ont refusé de jouer carrément, hein, parce qu'ils pensaient que c'était un jeu pour les enfants. Mais ce n'est pas le cas. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour le prochain. Et ce sera le dernier épisode de J'ai quoi comme jeu pour la saison 2 en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt.